Bonjour les filles, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les soins de bébé sur son visage. Allez, c'est parti! Bonjour, alors nous voilà dans la chambre de Théo pour commencer les soins du visage après le bain. Donc tout d'abord, moi je prends des cotons-tiges exprès pour bébé pour nettoyer ses oreilles. Donc on décale délicatement la tête de bébé sur le côté. Donc on passe bien en haut, doucement, puis à l'intérieur et on tourne sans trop enfoncer le coton-tige. Hop. Et on fait pareil pour l'autre côté. On vérifie que l'oreille soit bien nettoyée. Hop, et on jette à la poubelle. Bon, alors maintenant, nous allons nettoyer les yeux de bébé. Donc pour cela, il faut que vous utilisiez du sérum physiologique que l'on peut trouver en pharmacie ou en supermarché et des carrés de coton comme ceci. Donc toujours utiliser un carré de coton pour chaque œil. Ne jamais utiliser le même. Donc on ouvre le sérum fille. On en met sur le coton comme ceci. On imbibe bien. On prend le coton, on le plie. Et on nettoie les yeux toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ceci. Hop. Vérifiez qu'il n'y ait pas de dépôt sur les yeux. Et s'il en reste, vous refaites l'opération. Donc, on refait la même chose pour l'autre œil. Hop. On replie le coton. Appuyez doucement, ça sert à rien d'appuyer fort. Vous allez lui faire mal. Donc voilà, le nettoyage des yeux est terminé. Ensuite, pour ma part, Théo, avec le froid, il fait de l'eczéma. Donc il a les joues un petit peu abîmées, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc moi, je lui mets de la bépanthène sur le visage 3 fois par jour. Donc après, quand on la met, on peut toujours laisser un tout petit peu de pellicule pour que ça soit bien gras et que ça s'absorbe bien au cours de la journée. Hop, donc on prend, on essaye de fixer la tête de bébé et on étale. Oh mince. Hop, vérifiez qu'il n'en ait pas dans l'œil. S'il en a un petit peu, essuyez-le. Et je mets aussi sur l'autre joue, même si elle n'est pas abîmée, en prévention. Donc, je mets à peu près une noisette sur mon doigt que je viens étaler sur l'autre joue. Hop. Si bébé se laisse pas faire, essayez de le faire quand il est calme ou quand il dort. Hop. Hop. Et on en laisse un petit peu sur la joue. Comme ceci. De toute façon, quand la crème elle va pénétrer, après il y aura plus de particules blanches. Voilà. Donc ensuite, on va nettoyer le nez de bébé. Donc pour cela, on prend des carrés de coton comme ceci, que l'on découpe et que l'on tourne pour faire des petites mèches que l'on va venir absorber le physium sérologique. Donc je prends, j'en mets au bout de la mèche comme ceci, et la mèche je l'introduis délicatement dans le nez de bébé et je tourne, voilà, comme ça, et je fais la même opération pour l'autre narine. Hop. L'enfoncez pas trop la mèche. Hein. Hop.
Et voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée pour les soins du visage. N'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo. Et pour la prochaine vidéo, nous ferons le premier petit pot de Théo à ses 4 mois. Bisous les filles !